qui débarquent ce matin à Orly, pour vérifier le bon déroulement de la phase d'expérimentation du carnet dans tout son produit, donc qui permet de fluidifier le passage aux frontières. Il y a déjà 1000 QR codes qui ont été flashés, puisque l'expérimentation a exactement commencé la semaine dernière. Nous n'avons pour l'instant rencontré aucun problème, les choses se passent bien, et je crois que le meilleur exemple, c'est à la fois les prises de parole qu'on a entendues des personnels d'Air France et des passagers, avec deux grands avantages. D'abord, ça va beaucoup plus vite, ça fluidifie les queues. Et ensuite, il y a un avantage sanitaire, puisque pouvoir le faire sans contact, ça évite de se passer les résultats de ces tests. Donc on va continuer ces expérimentations. On commencera la semaine prochaine les expérimentations à destination des Outre-mer. J'ai par ailleurs eu l'occasion de petit déjeuner hier matin avec Thierry Breton, qui travaille avec Clément Beaune, pour évoquer l'avancée des travaux européens, puisque la France, comme vous le savez, est le premier pays européen à déployer ce pass. Et les choses se passent bien. On espère pouvoir faire en sorte que les choses soient généralisées courant juin dans ce cadre européen qui doit fluidifier les passages. Oui.